Les évêques amis du mouvement des Focolari se sont réunis en Terre Sainte pour le 32e congrès œcuménique avec des représentants des églises anglicanes, latines, melkites et orthodoxes. 4 jours de communion scellés par le pacte d'amour que se sont échangés les évêques. Le 27 novembre, la lumière de la paix est partie de Bethléem, allumée au feu qui brûle en permanence dans la grotte de la Nativité. Au cours des prochaines semaines, elle traversera plus de 30 pays européens, la Russie et l'Amérique du Nord. Et le 18 décembre, elle sera amenée au pape François. La première Miséricordia de Terre Sainte a été inaugurée à Bethléem. La plus ancienne institution chrétienne de secours et d'assistance, née en Italie en 1200, sera opérationnelle dès janvier 2014 grâce à l'engagement des volontaires italiens et palestiniens. Dialogue et identité, tel est le titre d'un programme du Centre pour les relations entre juifs et chrétiens de Jérusalem. L'expérience du dialogue entre les étudiants arabes de l'école Terra Santa de Ramleh et les étudiants juifs israéliens de Petah Tikva pour échanger sur les fêtes, les textes sacrés, les valeurs de leurs religions respectives.